Nous avons demandé à la petite dame d'agiter son mouchoir subliminal en direction de l'un des concurrents, celui de son choix, tout en restant concentré sur l'ensemble des danseurs. Nous lui avons demandé de décrire les émotions que ce geste, l'agitation lascive du mouchoir, lui procurait, puis de dessiner viscéralement un arbre. Nous avons souhaité qu'elle renouvelle cette expérience en orientant son geste vers un autre concurrent, qu'elle dessine un autre arbre, un autre concurrent, puis un autre arbre, un autre concurrent, puis un autre arbre, ainsi de suite jusqu'à épuisement complet du groupe. N'en est ressorti aucune conclusion intéressante, si ce n'est une léthargie profonde du professeur Migragne.